que le Canadien ne boucle les valises pour deux matchs à l'étranger. Bonne soirée, bon début de semaine à notre antenne. C'est en sortie de territoire. Pour ce qui est du reste, là, c'est une formation qui est pas mal en santé, mis à part Jason Demers. Alors, deux formations qui aiment la même chose. Oui. Ne pas perdre de temps en zone défensive. Ça va être intéressant comme confrontation ce soir. Voilà, Thompson. Oh, il remet devant et il tire. Mais Marc, avec 52 secondes, on a parlé de la qualité de ce jeune homme à son troisième match. Jake Evans saisissant un retour de lancer. Il était passé si près d'inscrire un but à sa toute première présence, rappelez-vous, alors qu'il avait été alimenté par Domi et Kovacic. Cette fois-ci, il ne rate pas pareille occasion. Cousins est devant pour tenter de compléter la manœuvre de Thompson lorsque Ranta ne maîtrise pas le disque. Appelé à passer des minutes importantes après les unités spéciales, ce qui n'est pas négligé non plus. Absolument. Voilà Tatar qui remet à Gallagher. Et le tir est là. Que le Canadien s'impose, la transition en territoire central et la passe de Tatar pour Gallagher. Le tir sera bloqué partiellement par Hjalmarsson et ça fait mal. Je vous le dis, je regardais sa réaction, Hjalmarsson en douleur au banc des siens, mais ça devient un retour de lancer et Ranta n'est pas en mesure d'effectuer l'ajustement assez vite. Petrie qui avait perdu le disque au dépens de Kraus, mais on a vu Kulak réagir rapidement. Un autre revirement provoqué celui-là par Kessel et derrière à Stepan et le but! La rondelle échappe à Price. Entre les Coyotes dans le coup, mais le revirement en territoire central à deux reprises. Tout d'abord Petrie, puis par la suite, lorsque la passe de Kulak ne rejoint pas Drouin. Kessel lui en profite pour amorcer la relance, refile le disque du revers. Bomber du revers, c'est dévié vers Phil Kessel. Et là, attention, l'arrivée de Chychrun. L'arbitre lève le bras et... ce sera, et la contre-attaque, Drouin qui est toujours là, regarde vers sa droite, l'enjeu tire, quel arrêt! Dante Ranta, une passe parfaite! Voilà Leo Bouchkin qui reprend, l'enjeu, oh passe parfaite, l'arrivée de Hall, et le tir, et Price qui réussit à faire l'arrêt, et Victor Mété qui reprend la rondelle, et remet derrière à Chychrun. Chychrun tire, c'est dévié deux fois, et Price fait tout un arrêt dans les circonstances, la rondelle... en bout de ligne, a dévié sur le patin de Ben Sherratt. Armia revient sur ses pas devant Goligoski. Et encore une fois, Armia remet la rondelle à Sherratt par la rampe. À la ligne bleue, Sherratt à Kovalchuk, le tir! Ranta fait l'arrêt. Le retour se retrouve dans le coin. Puis reprend, Ekman Larsson est de retour. On a été incapable de marquer, mais sur le rythme, l'attaque se poursuit. Ah! Ranta est allé cueillir la rondelle derrière lui. Taille de la rencontre, et ça, c'en est un autre. C'est une fin de séquence. Il sait très bien que l'avantage numérique est terminé. Assez solide. Et c'est lui qui reprend. Scandella à Thompson. Thompson avec une passe qui dévie dans le coin. Ou à peu près, là, à la gauche de Ranta. Voilà la course entre Petrie et Hall. Et c'est repris par Dvorak à Hall. Et le but! Eh bien, un surnombre... Ben, les Coyotes qui décampent, il y a un bâton perdu. C'est un surnom lorsque Petrie ne peut dégager le territoire et Scandella arrive un peu en retard dans son repli. Il doit le faire avec un peu plus de conviction. Il doit freiner et menotter Taylor Hall. Un revirement et le voilà en territoire offensif. Lekonen lui retourne la rondelle. Mété remet sur la rampe. Drouin fait dévier derrière pour Lekonen. Et Thompson, tout un plaqué. C'est bloqué par Ranta. C'est toute une marque de confiance pour les deux jeunes. Et quelle expérience acquise, là. Voilà Stepan qui remet derrière à Kessel. Vous entendez le mot defense, defense. La passe à Chychrun. Son tir à la but! Ben, on a dit à quel point il est dangereux. Son cinquième en supériorité, son douzième de la saison. Jacob Chychrun qui va décocher un tir. Il a raison de Price. Price qui regarde à gauche de l'écran, le tir dans la partie supérieure à droite. Avec à peine 7 secondes à faire. Voilà ensuite le tir de Petrie, raté, bâton brisé, Kovalchuk tire. La rondelle dévie. Où est le disque? La rondelle se retrouve dans le coin.
et le Canadien.